T'as-tu ton micro? T'as mis ton micro, ouais. Bravo. Oui. Moi aussi, il est on. One, two, check, check, fern, check, check. OK. Si jamais vous écoutez en rediffusion, merci d'écrire hashtag replay, s'il vous plaît. Ça remonte le post en haut. C'est bon pour l'algorithme. C'est bon pour le moral. Je vois qu'il y a des oignons. Il va falloir que je prenne des couteaux. Mais la lumière. Ah, c'est le couteau, j'ai oublié. Il me semble que j'avais tout ça. Puis, papa chef, comment s'est passée ta journée, ben, ton début de journée? Bien. Oui? Oui. On coupe? Oui, il a coupé ses cheveux. Bien oui, j'ai ça. On coupe des oignons? C'est toi qui l'as coupé, hein? Oui. C'est correct. Oui. Ben, c'est juste ça que tu dis, ta journée, ça a bien été, puis c'est ben tout. Ben oui, j'ai rien à dire, moi. Moi, ça, t'as rien à dire. Ben non. Parle un peu. Allô? Ah, il y a quelqu'un? Lisanne est là. Hello. Salut Larisa. Lisanne, veux-tu nous desservir, s'il vous plaît? Je suis occupée avec le live. Elle s'en vient. OK. Elle a beaucoup de boîtes en arrière. Oui, elle vient d'arriver. Ah, il y a des boîtes encore? Oui, c'est lourd. Il y a des bons spéciales en ligne. Ah, ben là, je ne pourrais pas les mettre dans le bac, par exemple. Non. Salut Micheline, dites-moi donc coucou. Ah, Jennifer. Jennifer Bouchard qui dit bonjour Mélanie et Papa Chef, ça marche. Ça fonctionne très bien. Wouhou! Fait que ce soir, tu sais quoi la recette qu'on fait? Du bœuf haché avec des oignons. Et, oh, c'est-tu un pain à viande? Non. Ben, une giblotte de quoi, là? Une giblotte. C'est pas une giblotte. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. C'est des gros contenants ou des petits? C'est un bœuf coréen. C'est qui? Un bœuf coréen. Non, c'est qui est à l'entrée? Christine, ça va bien? Ça va toi? Oui, ah, c'est Jasper. Oui. Dis ton nom de... J'ai dit Jasper, okay, c'est bon. Excellent. Puis je pense que tu avais quelque chose en plus qui datait de longtemps. Oui. Que j'ai mis avec... Il est dans le fond complètement, premier étage, complètement dans le fond. Un gros sac. Ah oh, oui? Ouais. fait que c'est le bœuf coréen qu'on fait ce soir. Si jamais tu vas voir la recette, tu vas pouvoir aller voir dans mon groupe privé, dans l'album Top Home. C'est là que je l'ai mis. Fait que la recette, Papa Chef, on va avoir besoin de l'oignon. Hein? T'as déjà. Oh, c'est mignon! T'as-tu montré que ça avait l'air? Un oiseau! C'est les outardes là, qui s'en allent. Là. Puis là, on va mettre les retails là-dedans, ici. Pour le prochain bouillon, j'ai fait une soupe au bœuf et orge cette semaine. Je l'ai déjà tout congelé. Es-tu content, maman? Ton congélateur va se remplir de soupe et de potage. Ben oui. c'est la saison des soupes. Fait qu'on va faire un beau bouillon. Fait qu'on garde avec ça ici, les retails. L'ail et l'oignon, je l'avais déjà tout haché. Je vais aller voir. Je déshabille l'oignon tranquillement, pas vite. Puis vu que je suis libre maintenant, elle est partie. Je vais couper ça, mettre ça dans la mer rare. Maître rare. Ceux qui n'ont pas ça. C'est un, comme qu'on dit dans le mot anglais, un mos. Sinon, on passe notre temps à pleurer. Ah oui, pourquoi? Parce que j'ai ramassé. Là, je vais te laisser checker là-dedans. Pour les gens qui ne connaissent pas ou qui vont vous dire bonjour avant. Salut Dani Bélair, Laurie Pierre, salut la sœur, salut le père. Coucou à vous. Ben c'est Laurie Pierre, c'est son père. Moi je suis sa sœur, lui c'est son père. C'est quoi que hein? Salut la sœur, salut le père. Salut mon père. Laurie Pierre qui a dit ça. Ah, bon. Eh, hey, beau boy. Non, mais nous, on ne lit pas, hein. On, on
Ah, fait que eux autres, c'est ici. C'est un plus d'avoir le hachoir, papa chef. Ouais. Je laisse seul travailler, c'est parce que j'ai eu une cliente qui est arrivée. Salut, Lisa Potvin. Fait que, papa chef, comment tu trouves ça d'avoir un hachoir? Pourquoi tu fais des gants? Ben, j'ai pas besoin de... Non, je suis pas dans la viande. Ah, ok. Non, c'était juste au cas où. Ouais, c'est pas besoin de tes gants. Pas besoin de tes mitaines de viande. Là, on va juste mettre ça ici, papa, dans le... Les gens qui connaissent la passoire, pas la passoire, la tape honte, je voudrais savoir c'est quoi votre recette préférée que vous aimez faire dedans. On va mettre ça ici, papa, dans le 2 litres. Fait que là, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, 3 litres, 2 litres et couvercle. On n'aura pas besoin de la passoire. Non. Celui-là? Oui, on a toujours là-dedans, là-bas. Toujours. Là-dedans, ça va être le riz, papa. Le riz, papa. Oh, c'est un nouveau sort de riz. Ça sert du riz avec beaucoup d'ail. Ça serait le riz, papa. Fait que là, on va faire rôtir. On va faire chauffer un peu l'ail, l'oignon, le gingembre, avec un petit peu d'huile. On va faire sortir les flaveurs, comme Maria Mariano dirait. Seigneur! On va essayer de mettre un peu d'huile un peu partout, là. Tu l'as pas mis dans l'eau? C'est ça qu'ils t'ont dit de faire, papa, dans l'eau. Ben oui, mais... Je vais prendre l'eau dans ma bouche après. Fait que là, ça se peut que ça disbite un peu, là. On va le faire chauffer 3 minutes. C'est juste pour faire sortir un petit peu les saveurs. Là, on va utiliser, check ça, on est en septembre 2024. Puis ça, c'était gelé en quand, papa? 2023. En octobre. Bœuf haché. Check, ça va faire un an que c'est congelé là-dedans. Puis, check ça, comment c'est beau. Hein? C'est beau, hein? Fait que ça, c'est les garde-gel. D'ailleurs, je vais en avoir en vente ce soir. Elle a tapé le bœuf. On va en avoir ce soir. Hey, ça parle fort ici. On va dire à la sœur de s'en aller chez elle. Est-ce que vous m'entendez ou c'est elle que vous entendez? On va lui dire qu'elle vient de faire le live ici, là. C'est là que ça va l'heure, non, c'est le riz, papa, je t'ai dit. Tu m'écoutes pas? Ça doit être parce que Elisa n'a pas le fort, tu m'entends pas bien. Mais ça me dit, parce que... Regarde, c'est cuit. Non, ici, ça va être le riz, papa, qu'on va mettre. Alors, le riz... Ça, ici, on va mettre une tasse et demie de riz, papa. Une tasse et demie? On peut mettre deux tasses, là, la pierre est là. Ben oui. Le riz, Pierre? Dans Ellie. On va mettre deux tasses de riz parce que Ellie, elle mange beaucoup. Une tasse. Alors, là, on va mettre pour deux tasses de riz, combien de tasses d'eau qu'on met? On va mettre du. On va mettre du bouillon, parce que nous, on a fait du bouillon maison. Avec justement les retailles de tes légumes, carcasses de poulet, qu'on gèle tout ça. Là, quand tu es prête à faire un beau bouillon, tu le mets. Moi, personnellement, je le mets dans l'autocuiseur overnight. Le lendemain, j'enlève tout ça. C'est tellement bon. Alors, papa, combien de tasses de bouillon ou whatever qu'on met pour deux tasses de riz? C'est-tu trois tasses? À peu près loin, c'est ça. Ça fait deux. On va remplir ce contenant à l'autour. Ça donne deux tasses, tu vois. Et deux tasses. Et deux. Bon. Ça fait quatre tasses. Là-dessus, on va rajouter. Ça commence déjà à sentir le gingembre. Ça sent bon. Donc là, dans tout ça, on va mettre dans le fond le bœuf. Par-dessus, ça, moi, c'est ma cocotte préférée. L'autocuiseur, c'est le produit préféré à Papa Chef, mais moi, c'est celui-là. Puis là, on va faire le bœuf. Il reste 26 secondes. Je veux juste aller voir si vous avez pris le temps d'écrire des recettes que vous aimez faire avec. Le riz Pierre, moi aussi, ça me mélange, papa, quand Mélanie dit le riz.
Micheline, je t'entends bien. OK, c'est bon. Salut, Christine! Génial pour le bœuf haché. Il est très bon. Ça, c'est beau. Magnifique. Donc, là, ce qu'on va faire, puis la recette, comme je vous ai dit, si jamais vous venez l'avoir écrit, c'est vraiment facile. Checkez ça. J'ai pris des nappes. Fait que là, on met ça par-dessus. Là, on va mettre le bœuf papa. Ah, oh, j'ai oublié de te dire, il faut râper les champignons. Le bœuf papa. Un petit peu chopper les champignons. Bon, hachoir, il est là. Ah, tu veux dire dans la hachoir? Ouais. Tu veux pas avoir des gros morceaux? Non. Ah! Ça fait bizarre, le bœuf. Pas de gros morceaux dans le bœuf. Fait que là, dans tout ça, on va racheter de la cassonade. Du pas du Beauvril, mais du sauce soya. Ouais, ça, mes parents, ils étaient au camping, là, j'ai entendu ma soeur qui parle. Puis, elle dit, non, il n'y en a pas. Ben, en tout cas, pas à ce que moi, je sache. Alors, on est en mois de septembre, moi, je ne bois pas là, au mois de septembre. Moi, non. Ok, ben, je vais prendre du thé. Alors, vous pouvez bien boire, mais non, il n'y a pas de vin. Il n'y a pas de vin, c'est... Papa, il t'avait avec ses graines, non? Ah, ça sent bon? Ouais, c'est la... Y a-tu de l'ail dedans? Oui, y a de l'ail. Oui, ma soeur! Je peux plus de la bouche encore. Celui-là, on le prend-tu quand même? Pourquoi tu le prendrais pas? Il est sale. Regarde. Check. Il est propre. Hein? Coupe, coupe. C'est de la terre. C'est pas... Moi, mais je suis pas un verre de terre pour manger de la terre. Maman? Ça mange pas rien, papa. Il y a pas de problème. Alors, on met de la sauce soya. Puis on met de la cassonade. Comme vous voyez, les mesures, c'est à peu près. Mesure, Mélanie. Ouais, c'est pas compliqué à faire. Oh, mais regarde ça, c'est une soupe. Une soupe. Hein? On est des dîneuses. Ça, c'est bon. Pitch sur le top, le chef. Fait que c'est ça. Fait que, qu'est-ce qu'on disait tantôt? Ah oui, c'est ça. Fait que moi, ça fait déjà 18 ans là, que j'ai recommencé à prendre du Tupperware. Mais la première fois que j'ai connu Tupperware, j'avais 18 ans. C'est de 18 à 20 ans. Je devais commencer à en vendre pour me rapprocher de ma mère. Puis le premier produit que j'ai commencé à cuisiner avec, c'était la top longue parce que je ne cuisinais pas. Autant que j'étais à la tête d'une grande famille, à ce moment-là, on était rendu à 11. Mais quand ma maman a cuisiné, on était comme dans le chemin. À 11, c'était comme sacrément, allez vous jouer dehors, je vous appelle quand le souper est prêt. Fait que, puis honnêtement, j'étais pas intéressée non plus à apprendre à cuisiner. Mais là, quand j'étais en appartement, j'avais comme pas le choix de me nourrir. Fait que j'ai appris à cuisiner avec la top longue. Puis ma recette préférée que j'ai commencé, que je faisais, c'est le poulet puis les légumes. Vraiment simple. Tellement, vraiment simple. Tu mets dans la passoire le poulet. Sur le dos, tu mets des épices. En tout cas, la prochaine fois, je pourrais vous faire un poulet. Hein? Je ne vous dirai pas la recette, je vais vous dire la prochaine fois. Si jamais tu aimerais le voir en présentation aussi, là, tu me laisseras savoir. Je vais te avoir plaisir de te montrer ça. Puis là, mon papa chef va faire son histoire et va vous expliquer lui de où est-ce qu'il vient. C'est qui lui? Puis c'est ça. Donc, papa chef. Mon histoire. J'ai lavé le comptoir tantôt avec ça. Parce que je sais que Mélanie, quand elle s'éteint, elle prend beaucoup de place. Puis là. Ça, c'est un produit que Mélanie a fait avec la pleure de citron, hein, ouais. C'est ça? Puis c'est du vinaigre. Puis du vinaigre. Puis ça désinfecte. Fait mais que... ça, c'est pas ton histoire, ça, c'est quelle histoire? Ben, c'est une de mes histoires. Ah, OK. C'est un autre bord, bon, il était une fois un papa chef qui il avait pris sa retraite. Puis qu'à un moment donné, Mélanie, elle l'a dit, hein, puis moi, ça m'a sonné dans l'oreille tantôt. Elle dit, elle a 18 ans, elle a commencé Tupperware pour se rapprocher de sa mère. Mais une chose, par exemple, qu'elle n'a pas dit,
s'approcher. Là, c'est pas plus que s'approcher, non, c'est pas plus que ça, là. C'est rendu ici, à la maison. Avec vous. Et comme rendu quasiment comme une sœur siamoise avec ma femme. Bon, bon, donc... C'est plutôt... Oui, c'est ça. Ouais, c'est plutôt avec toi, papa, là. Ah oui? Je l'ai commencé Tupperware, mais là, je te dirais, les 4 premières années, c'est plutôt c'est moi avec toi, là. Eh bien, ça, il est... Fait que, en tout cas, là, c'est ça. Mon épouse a commencé Tupperware quand tu étais à la maison. Allô? Quand tu étais à la maison, parce qu'elle avait arrêté de travailler. Ils ont dit, reste à la maison. T'en fais trop. Ben oui, t'en fais trop. J'ai élevé des enfants, il n'y a rien là. Hein? Puis, un peu raciste, pas des fausses couches. Let's go, t'es capable. Fait que, reste à la maison. Reste à la maison, puis, ben ok, reste à la maison. Puis, rendu après le dixième, elle dit, tiens. Je veux faire mes armoires. Je vois que ce sera le fun d'avoir des contenants qui préservent les ingrédients, tu sais, pas de bébites, là, parce qu'il y a des bébites qui se ramassent des fois dans nos affaires, l'humidité, tout ça. Ça fait qu'elle a fait ses armoires, puis là, moi, les plats, c'est des plats, hein, ça ne me disait pas rien, mais quand j'ai vu le clapet serre, parce qu'il appelait ça le clapet serre dans ce temps-là, c'était un clapet. Là, ça, c'est un chauffe-serre. Moi, j'appelle ça un sucé-serre parce qu'il y a une suce de caoutchouc. C'est les deux versions. Ah, OK. L'ancienne version, clapet-serre. Chauffe-serre. Suce de caoutchouc. Suce. Ben, le silicone. Ça fond pas, ça. Ça peut fondre, mais ça fond pas. Fait que là, quand j'ai vu ça, on pouvait avoir de la nourriture dans ça qui était dans le congélateur ou dans le frigo. Juste à le mettre dans le four micro-ondes. Et tadam, c'est à fait. Hein? Oh, ouais! Ben là, moi, j'ai capoté, j'ai mis ça au bout. Après ça, quand j'ai découvert le Tupperware, ben, c'est là que j'ai commencé à faire mon riz. Puis mon riz au poulet, du riz. J'en faisais le matin, le midi, le soir, j'aimais ça, le riz. Moi, j'aime ça, le riz. Je sais pas, j'ai peut-être une espèce de sumo, je sais pas. J'aime le riz. Non, je sais pas. Mais moi, mon ingrédient que je mettais dedans, il y avait de l'ail. J'aimais ça l'ail. Ben de l'ail. Le matin, le midi, le soir. Ça sentait l'ail dans la maison, hein? J'ouvrais la porte, ah, ça sent l'ail. Je dis, oui. Pas de bébine. As-tu le microbe? L'ail, c'est bon de la pression. C'est fait que... Après ça, ben, quand il y a eu l'autre patente, là... Le COVID. Pas le COVID, l'autocuiseur. Ah, ben là, l'autocuiseur, le pitch-pitch, c'est le fun au bout, pas besoin de se casser la tête. On va être dans ça, puis pas besoin de... Non, c'est vraiment facile. Fait que, grosso modo, c'est ça. Ah, puis j'ai été policier avant. Ça se peut-tu? Un policier? Oui. Ah oui, ben oui. J'ai pris la job qu'il y avait, hein? Fait que... 32 ans dans la police. Je pensais vraiment faire 32 ans. En tout cas. Fait que là, depuis la COVID, ben là, on a commencé à faire ça avec ma fille Mélanie, quand elle a dit, mais on devait faire ça ensemble, hein? J'ai dit, oh, ouais, moi, hein? Ben là! Fait que là, on fait ça. Puis là, ben, on fait ça, on fait le repas, et le souper. Après ça, on se pitch en bas dans le sous-sol pour faire ça le soir. La vente? Pour faire ça le soir. Les autres, ouais. Pas faire la vente. Ben, faire la vente. Faut croire ça. C'est ça. Faut être précis. Précis, hein? Ouais, c'est ça. Mais en haut, en bas, pour la vente. La vente à 8 heures. Fait que ce soir, c'est une vente à peu près par couleur. La couleur? Oui. J'ai des codes de couleur. Je commence le jaune, vert, bleu, turquoise. Non, mauve. Il y a mauve, il y a bleu, il y a rouge. Ça va être le fun. Je ne voulais pas faire orange et noir. Ça va être au mois d'octobre pour l'Halloween. Ah ouais. C'est cool, hein? À un moment donné, j'avais matin, midi, soir. C'est bizarre, hein? Hein? Je ne sais pas pourquoi. Non, ça, je n'ai pas fait de... C'est comme pas jaune, rapport, ouais. Jaune le matin. Ça, c'est la joke à papa chef. Il y a toujours au moins une de la journée qu'on fait. Toujours une affaire weird. C'est vous autres que vous dites à ce moment-là que lui, il est drôle, puis nous autres, on fait comme... Mais non, on trouve drôle. Ah!
Hey non, faut bien que je dise que je le trouve pas drôle. Ben, voyons, ouais, c'est ma chute de fille. Qu'est-ce que tu fais là avec ça? C'était sale. Je voulais leur montrer. Checkez ça. Pour les gens qui ne savent pas trop c'est quoi Tupperware, là. Tupperware, c'est vraiment un mode de vie. Puis on a écouté une vidéo, il y a à peu près 2 semaines, Stéphanie Talbot. Super beau vidéo. Ça dure à peu près 1 heure et demie. Si jamais ça t'intéresse d'en connaître davantage, je vais te le partager. Elle explique tout l'avantage d'avoir des recettes déjà préparées, des pré-mélanges. Pré-mélange de muffins, pré-mélange de bartend, des choses comme ça, comme un pré-mélange de croustade. Comme ça, quand tu veux faire des recettes faciles, ben, tu as déjà ton mélange, puis il te reste juste à rajouter ton beurre. Parce que là, on va faire une croustade par-dessus. Tu comprends? Fait que là, on va juste ici, on va rajouter. Fait que là-dedans, tu as même quantité farine, cassonade, gruau. Fait que j'imagine, papa, hein, à peu près là. On va faire ça 2 de même. T'as pas besoin de mettre d'œuf, là, hein? D'œuf? Non, pas d'œuf. Mais du beurre. Avec du beurre. T'en as-tu assez? Oui, j'en ai assez. De beurre? Ah oui. C'est une petite croustade. J'ai cherché des fruits congelés. Vous en aviez pas des fruits congelés, hein? Oui, il y a des bleus. Il y a des bleus en bas. Puis, Ah! Non, mais j'en ai, mais il n'y en a pas beaucoup. Je vais aller les chercher. D'accord, on va les chercher. Dans un sac. Complètement à la fond, tu auras du fun. Fait que ça, on n'a plus besoin. Ben attends, ça dépend, là, parce qu'elle va arriver avec d'autres. Si tu trouves. Ouais, c'est ça. Bon, on va rajouter, là, ma soeur, on va aller chercher des bleuets. Il y avait une fois des bleuets. Puis ici, il n'y en avait pas dans celui-là. Parce que moi, je n'ai pas vu avec mes yeux et moi. Là. Fait que, ah, ici, dans le petit congélateur? J'ai pas vu. Ah, mais tu peux aller voir? Tu peux aller voir. You can look, you can look. Il serait dans le tiroir. Ben oui. Non, pas lui. Comment ça, pas lui? L'autre, on va voir. Ah, mais peut-être aussi. Aimez-vous ça, des bonnes croustades? C'est tellement bon, hein? C'est un bon dessert. Est-ce que vous êtes du type, quand vous avez fini de souper, vous aimez ça goûter à un petit sucré? C'est rare que je fais des desserts, mais là, je voulais faire des croustades. Puis aujourd'hui, j'avais fait un tour du sucre. Bon, c'est peut-être parce que le soleil, il est manquant. Là. Malgré qu'il a fait beau aujourd'hui. Là. Bon, j'ai tout pris le beurre. Il n'y a plus de beurre! Ça. C'est une pause minute pour aller chercher des bleuets. Des bleuets. Fait qu'est-ce que vous avez déjà fait des mélanges comme ça? Des pré-mélanges? J'ai aussi. D'ailleurs, il faudrait que j'aille chercher mon plat. En tout cas, j'ai dans mon entrepôt, ou avec mon stock de la maison, j'avais fait un pré-mélange de beurre tendre. Vraiment super bon. C'est le fun, tu sais exactement qu'est-ce qu'il y a dedans, puis tu peux, tu sais, quand la base est faite, là, c'est tellement plus facile à cuisiner, parce que souvent, c'est ça le problème, le monde, on a l'impression que ça prend tellement du temps à cuisiner, mais ça prend pas de temps, c'est juste d'être bien organisé, d'être structuré, puis d'avoir des bons outils, tout simplement. Fait que je vais aller prendre le temps de bouillir en attendant. Salut Karine! Lise Rodier, oui, j'aime les croustades et ma sœur attend que le gâteau au chocolat soit froid. Ouh, t'es chez ta sister, c'est cool ça. Karine Maison, que c'est bon. Mathieu, tu vois, Mathieu Noël, il a trouvé Papa Chef drôle. Il a trop fait de riz? Non, il a pas fait trop de riz. Fait que Laurie a dit qu'elle mange du riz, mais... Fait que Louise, je pourrais avoir votre recette, s'il vous plaît. Oui, Louise Ménard, tu vas voir, c'est dans le... Ah, à moi, c'était pas à moi que tu parlais, là. OK, tu parlais pour le gâteau. Ah, ta sister est chez toi. Ah, c'est cool, ça. Fait que ta sister... Hein? Montre ce que t'as de l'air quand c'est pas dans ce cas-là. Oui, mais c'est pas du bleu, hein? OK, mais tu peux aller le mener à Papa Chef et tu vois. Ta-da! Mais on pourrait le mettre, par exemple, séparé dans un Tupperware. Là, mets-le dans le gros congélateur ici. OK. Puis je vois le... Parce que, hein, on le dit, quand c'est pas dans du Tupperware, c'est quoi ça fait? Ça fait de la glace. Check ça. OK. Fait que là, ça va faire une belle croustade, ça.
Ben, il reste juste un petit peu, là. On va mettre ça un petit peu, là. On va mettre au complet, hein? Les anécites. Es-tu capable de fermer la porte, là? Oui. Oui, OK. Super bonne. Ouais. T'es super bonne? Oui, super bonne. Tiens, papa chef. Non. On va mélanger le tout. Hé, hey, ça, c'est une croustade. Ça, tout, c'est un échantillon. J'aurais pu faire cuire dans le cuiseur à déjeuner, là. Comme ça. Je vais juste bouger ça et ça prend un couteau. Hey, ça va être sale, il y a du beurre partout. Ouais, il aurait fallu que je prenne une spatule. J'ai pas pris la. Je sais pas s'il va pouvoir le tenir, mais il me semble que c'est gros. Il y a une lavette, ça. Tout, je rajoute du beurre. Je les ai gardés cœur de pomme. Cœur de pomme. Pour faire un gelée aux pommes. Mais je ne l'ai pas fait encore. C'est au moins un an que j'ai gardé ça. Donc, il va falloir que j'écoute Linou comment elle fait sa gelée de pomme. Est-ce que tu fais ça avec la gelée de pomme? Moi, j'aime bien utiliser comme un produit qui fait plusieurs affaires. Là. Ah, ça va être bon, ça, papa? Tu t'en penses? Puis on va mettre ça 30 minutes au micro-ondes. Le riz, la viande. Et la cristale va tout cuire en même temps. On aurait-tu pu mettre plus de farine? Non, ça va être correct. On va mettre ça là-dedans. Good job, papa. Merci. Fait que tu vois, ouais, c'est ça, on aurait pu mettre plus de mélange. Ça va être vraiment bon, bon, bon. Montagne, non? Oui, pas mal. Comme ça. Oups. Ma petite soeur Suzanne, là, arrête pas de chioler quand elle a mal dans ses genoux. Là. On a fait une entrevue, là, savez-vous, on n'a pas été pris parce que ma petite soeur, qui est plus jeune que moi, la madame, elle lui a demandé, je me souviens pas c'est quoi qu'elle nous avait demandé. Si on était à notre meilleure forme. C'est ça, si on était à notre meilleure forme. C'est une affaire, tu sais, c'est un concours là, de trio. On aurait passé à la télévision, puis tout ça. Puis c'était comme un défi. Là, on ne savait pas c'est quoi. C'était à travers tout le Québec. Puis là, la madame, il y avait plusieurs échelons qu'il fallait faire. On était rendu à. Tu sais, il fallait se faire une vidéo. Après ça, c'était le truc au téléphone. Puis après ça, ça a été en vrai qu'ils nous auraient rencontrés. Peu importe. Là, ils nous posent des questions à savoir, tu sais, nous autres, on parle, moi, puis Marie-Ève. Là, Marie-Ève, Karine. Là, quand c'est tout réalisant, elle pose est-ce que tu es à la meilleure des conditions physiques? Ma sœur qui dit ben, pas vraiment. Tu sais, quand on vieillit, on a mal un peu partout. C'est la plus jeune de nous trois, là, tu comprends? Nous autres, on était comme ben oui, ça va bien. On a tout fait pam, pam, pam. À tuer le. Fait que je ris d'elle parce qu'elle dit tout le temps qu'elle m'a les genoux. J'ai dit fais écoute-toi, quand tu vas avoir 100 ans, moi, je vais en avoir 80 dans mon corps. Là. Hein? On attire ce qu'on pense. Là. Continue à dire que tu as mal les genoux. Je dis arrête de bouger, Seigneur. OK, fait, je vais mettre ça 30 minutes au micro-ondes. Ça va être marvelousment bon. Puis je vais prendre des photos après. Fait que ça, c'est bon. Fait que si pour les gens qui écoutent la rediffusion, moi, je voudrais savoir c'est quoi aussi votre recette préférée que vous aimez faire dans la top round. Papa, toi, qu'est-ce que tu aimes la top round? Mettons, là, tu prends. Le riz au poulet avec les dagues. Hein? Le riz au poulet. C'est ça, mais tu as parlé plus vite que qu'est-ce que je m'en allais dire. Ben, je suis vite, hein? Zou! Mais tu n'as pas répondu la bonne réponse. Comment ça? Ben, c'était pas, j'avais pas fini ma question. OK, répète-la. Je voudrais savoir, qu'est-ce que toi, tu voudrais leur mentionner, que l'avantage d'avoir une top ronde, de cuisiner maison, c'est quoi la différence entre aller au restaurant, cuisiner maison, puis c'est rapide, on s'entend que dans la top ronde, c'est pas compliqué, là. Ils peuvent pas aller manger au restaurant. Il y en a ici qui aiment beaucoup ça. Parce que quand on va au restaurant, on mange ce qu'on veut. Vas-y. Puis la seule chose qu'il y a, il faut attendre que ma femme paye. Parce que elle, tu payes. Tu sais, tu travailles plus. Fait que si j'aime ça, aller au restaurant, ça. Ouais, mais c'est pas toi qui paye. Ben, c'est ça. C'est l'avantage d'aller au restaurant.
le taperon, ben là, mais c'est bon, mais c'est le maigre. C'est pas la bonne réponse. Un avantage d'un taperon, même au camping, on peut se faire cuire un poulet entier, ce que je n'avais jamais fait avant. Ah, pour vrai, hein? Fait que ma mère a fait le poulet entier dans la taperon ouais, parce au camping. Le four, c'est vraiment le four qu'il y a dans la rue là. C'est ça d'espace qu'il y a là. Ça, c'est comme les grille-pains. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Fait que c'est dans le four micro-ondes. On a un petit four micro-ondes avec la cocotte. La taperon, une petite cocotte. On sac ça dedans. Puis elle réussit à faire que le poulet. Fait que. Mais ce que je voulais dire, là, c'est pas ça, pas toute la réponse que je voulais. OK, hier, vous avez été manger de la pizza. Combien ça vous a coûté avec taxes et pourboire? C'est exactement ça, les extras. Ça fait partie de la game. Combien ça t'a coûté? Ça n'a pas coûté cher. Dis? Oui, avec le tip, parce que le tip, il faut le compter dans le restaurant. 80$. Et deux personnes, 80$ pour un repas. Non, trois personnes. Moi, mon épouse, et Mélanie en a mangé aussi hier au soir. Ah oui. Trois personnes. Oui, oui. Parce qu'on a acheté des gros pompons, là. On a pas acheté vous avez fait exprès, là. Mais tu sais, on s'entend que normalement, un souper au restaurant, c'est à peu près au moins 100$ comme pot. Si tu prends une bouteille de vin ou un verre de vin, normalement, on prend tout le temps deux. Hier ou avant-hier, c'est pas un combo que je fais, là, je fais juste un reality check. On sait tout que ça coûte plus cher au restaurant. Hier ou avant-hier, je fais cuire un poulet entier que j'avais acheté à 1,99 la livre. Donc, ça avait coûté, je pense qu'il était 8,5 de poulet. Là-dessus, il en reste encore. J'ai fait une salade de macaroni. Je me suis servi du souper. La soeur en a mangé parce qu'elle est arrivée aussi lundi. À manger. La soeur est tout le temps ici. Fait qu'on a fait ça. Puis en plus de ça, avec la carcasse, j'ai fait des portions de soupe. Mais tout ça avec un seul poulet. C'est ça que je veux dire. OK. Mais moi, de mon côté, j'aime encourager aussi les gens qui travaillent. Fait que sinon, si on n'était pas au restaurant, il y en a qui perdraient leur job. Ça fait que d'une manière, je participe. Tu payes pas, fait que tu payes. Tu participes pas, tu manges. Ah, mais c'est moi qui ai payé hier. Ah oui, c'est toi qui as payé hier. Ça fait que je veux participer à l'économie du pays. Ouais. C'est pour ça qu'à ce les gens sont obligés d'aller travailler 4 jours semaine. Pour faire créer du. Ben oui, c'est ça. Ouais. Mais ah non, à un moment donné, c'est ça. Là, on va te dire. À votre âge, là, vous pouvez bien vous gâter. Si vous voyez ça comme du gâtage. À un moment donné, on n'aura pas de choix. Il va falloir rester à la maison puis rester dans le Tupperware, manger juste ça. Parce qu'on n'aura pas les moyens d'aller à l'extérieur. On va rester ici. On va manger. Mélanie, qu'est-ce qu'on mange? Du poulet! Du poulet! Non, mais pour vrai, pour les jeunes familles, ça mettons que les gens écoutent tout ça, puis ça mettons que tu cherches. Commence tout simplement à cuisiner à maison. Honnêtement, c'est fou la différence, le prix, quand on cuisine maison puis quand on va. Ça n'a juste pas de rapport. Ah oui, c'est sûr, ça fait. Une épicerie, c'est un souper au restaurant. Oui. Oh oui, parce que ça prend pas de temps. Une épicerie, regarde, si tu mets, mettons, 200$, il n'y a pas grand-chose, 200$. Là. Mais il y a quand même plus pour restaurant. Ben c'est sûr, je m'en ai à dire. Là. 200$, tu peux faire quelques jours avec ça. Là. Ben plus que quelques jours, ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend à qui mange aussi. Là. Parce qu'il y en a qui ont des gros appétits, comme Mélanie, elle mange en tête. Hey, elle mange le soir, le matin. Je mange pas le matin, je mange à midi. À midi, ouais. Midi, le souper, après ça, le soir. Ben, je mange mes trois repas. Ah oui, trois repas. Tu ne trouves pas d'ennui, là, toi, là? Non. Non? Tu n'as pas de fringales? Non. Je mange le soir avant. Bon, ben ça, c'est quand ça dépend. Parce qu'après un shot aussi, hein? Ça aussi, ça coûte cher. Non, pour le mois de septembre. Non. Septembre zéro. Ben oui, c'est vrai que l'alcool, ça coûte cher. Puis ça fait partie de. Dans un des cours des finances qu'on a, je voudrais vous poser la question, c'est quoi ton comment ça s'appelle? Ton café latte, qui veut dire, tu sais, on a des dépendances, ou on pourrait dire des dépendances, des choses qui nous coûtent de l'argent tout le temps.
Puis que si on arrêtait de prendre la cigarette, il y en a, ça va être des magazines. Tu sais, dans le temps, c'est des magazines. Il y en a, ça va être des souliers. Il y en a, c'est des livres. Il y en a, ça va être de l'alcool, justement, des choses comme ça. Ça fait que c'est quoi ton café d'été? Il y en a, c'est le matin. Il y a tous les matins, il arrête au Tim Hortons. Tu sais, si tu arrêtais de faire ça, puis tu le faisais maison, ou que simplement que tu changeais tes habitudes, fait qu'au lieu de prendre une bière, ben je prendrais genre une tisane ou quelque chose. Mais l'argent que je sauve, tu sais, je peux la mettre de côté pour faire un voyage, ou tu sais. Mais c'est quoi ton café latte, toi? Fait que moi, à chaque fois que Sylvain me pose la question, je dis toujours la bière. C'est vraiment ça, tu sais. Ça me dérange pas de payer un restaurant quand c'est une microbrasserie. Hey, là, je me garde, puis. Mais un restaurant de tous les jours, ça, c'est non, pas. Non. Mais je pense que la cause la plus importante, puis ça, on apprend ça en vieillissant aussi, c'est la maîtrise de soi. Ouais. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est être capable de dire non, OK, ça fait ça. Ouais. On est capable d'avoir un contrôle sur soi-même. Puis quand on a un contrôle sur soi-même, là, on peut aller bien loin dans toutes les choses. Je ne dis pas le cas. On est fiers de nous, là. Comme là, exemple, durant le mois de septembre, là, parce que ce mois de août, là, j'étais au camping. Chaque fois que je vais au camping, le Seigneur, je me lève le lendemain. À faire blanc. J'ai pas de contrôle. C'est comme oui! La maîtrise de soi prend le bord. T'es en vacances. Je travaille fort et je m'amuse fort. Mais c'est ça, ça rentrait bien la dernière fois, puis le lendemain matin, j'étais comme pourquoi tu t'amuses si fort que ça? Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai décidé aucune boisson dans le mois de septembre. Mais la fin de semaine passée, tu sais, je veux pas, ça joue dans la tête, c'est quand que t'aimes ça, là. Fait que là, je me suis dit, samedi, j'en ai pas bu, mais tu sais, j'en aurais pris au moins une. Mais j'ai pris le 7$ que j'aurais pris pour aller chercher une bière, puis je l'ai mis dans ma banque. Le dimanche, la même chose, fait que j'ai mis 20$ à fond dans mon enveloppe, parce que ça aurait été l'argent que j'aurais dépensé, puis je l'ai mis, je l'ai sauvé, c'est cool, hein? Ben oui, c'est cool. Mais ça va être pratique pour le voyage qu'on va faire au bout de janvier, pour en revenir demain à tous les jours! Mais c'est ça, comme tu as dit, Papa Chef, je pense que c'est d'être capable de se contrôler, puis des fois de se donner des propres défis comme ça, personnels, de se dire, OK, dans le mois, je bois pas, ou la semaine, je bois pas, peu importe c'est quoi votre café latte. Puis c'est pour se prouver aussi qu'on est capable, puis c'est de réaliser des types d'objectifs comme ça qui nous amènent à réaliser qu'on a encore le contrôle, parce qu'il faut avoir le contrôle de nous. Oui. Hein? Oui. Ouais. D'accord avec ça. Oui. Tu vas-tu te remettre tes graines, là? Ah, OK, oui, contrôle de soi. Ouais. Allô, contrôle de soi? Ben oui. Les graines. Ben oui, c'est pas facile, ça. Ben, hey, j'aime ça, pour faire, moi. Mais là, il faut que je mange les crustés protéinés. Hey, tu vois ça. Ben, si tu contrôlais, papa, tu mangerais pas tes croustilles. Non, mais ça fait partie de mon temps de prière aussi. Ah, je comprends. C'est comme un jeûne. Ouais, c'est ça. Que je comprends. Tu t'en fais un événement, là, c'est bon. Cool. Ouais, c'est ça, c'est un événement. Tu fais ça pendant combien de temps? Je sais pas combien de temps. Peut-être un mois. Un mois, à peu près. Ben, ouais, parce que t'as pris un peu, mais pas tant que ça. Un mois. Ça va m'emmener jusqu'au souper Maria. OK, ouais. Ah, t'as tout calculé. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ouais, après ça, ben là, on va être proche du mois de décembre. Fait que là, ça va être des shooters. Ouais. Là, c'est le mois de décembre à chaque fois. Chaque tranche de 50$ qu'on vend, on prend un shooter, puis Papa Chef, il joue une chanson. Et j'essaye. Ouais. Au début, c'était 100$ dans le COVID, là, on l'a descendu à 50$. ça allait vite à 100$, mais là, c'est 50$. Non, c'est le contraire. Ça allait vite à 100$. À 100$, c'est moins. On vend moins? Oui, c'est pour ça qu'on a descendu à 50$. Ah, ouais? Au début, on s'entend, tout le monde est à la maison. Là. Ah, oui, c'est vrai. Ah, ouais. Dans les années polies. Ouais. C'est vrai qu'on s'est pacté la fraise pas mal. Ben, l'année passée, on m'a donné le plus qu'on avait, je pense, c'était 13. En tout cas, on a vidé à côté. C'est des petits événements, c'est le fun. Oh mon Dieu. Choisir les bons. Ouais, des shooters sucrés, exactement. Bon, vous en racontez assez d'affaires, là. Hein? Ouais, pour aller souper maintenant. Ça suffit. La boisson, là, en tout cas, s'il y a des dépendants, on vous a tous donné le goût d'aller boire, là. Notre job, c'était pas ça, à soir. Non.
Fait que je vous souhaite de passer une belle fête de journée. Il reste encore 20 minutes, là. Fait que je vais prendre les photos. Vous viendrez le voir après ça. Puis, je vous invite, bien sûr, à venir nous rejoindre dans mon groupe privé pour ce soir à 8h pour la vente ou simplement venir voir là, qu'est-ce qui se passe. On a des jours des ventes spéciales à tous les jours. Il fait toujours une finale weird. Alors, bye tout le monde!